Meilleur album francophone, meilleure artiste féminine francophone et meilleure chanson francophone, c'est déjà beaucoup. Et pourtant, Diam's se méritait un prix supplémentaire, celui du meilleur playback francophone. Moi je me raconte, ah bah je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mes le rap, voilà de la poulet. Sortez les briquets, fait trop tard dans ma tête. Ouais, je me raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mes le rap, voilà de la poulet. Sortez les briquets. Michael Jackson a peut-être réussi à gagner ses multitudes de procès, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il ait réussi son retour sur scène. Vient le moment tant attendu, Michael Jackson va chanter, ou du moins essayer de chanter. Un mauvais playback? La star oublie même les paroles de sa propre chanson. Et enfin, difficile de trouver ses mots quand on est appelé trois fois de suite à monter sur scène. Mais bon, en cherchant bien... Attends, deux secondes, je vais y arriver. Je suis choqué. Pas la boubou quand même. Je voudrais... Non, là, je voudrais vous dire simplement que... Je sais pas, je vous kiffe. Merci. Merci à tous, toutes les boulettes de France. Comment je vous kiffe, merde. Et c'est sur cette image de joie et de bonheur de Diam's que s'achève notre soirée. Je recevais Brian Joubert, donc un des siens, qui n'aime pas du tout le commentaire de Philippe Candeloro. Il le trouve, lui, grivois, notamment quand il entend ça. Écoutez. En russe, on l'appelle la tigresca. Ne vous excitez pas trop, Nelson, parce que c'est moi qui vous ramène à l'hôtel et j'aimerais pas passer un sale quart d'heure. Laurent. Alors, il trouve que c'est souvent au-dessus de la ceinture. Vous lui répondez quoi, Brian Joubert? Moi, je pense que Brian manque un petit peu d'humour de ce côté-là. Alors que, en fait, quand on le connaît bien, Brian, finalement, voilà, je sais qu'il a, il a pas mal de conquêtes et que. Qu'il a pas mal de conquêtes. Et qu'il s'amuse pas mal avec ça, donc. Vous voulez dire que c'est un chaud lapin et qu'au micro d'RTL, il fait un peu. Ouais, parce que j'ai pu voir, moi, en tout cas, et entendre, donc. Ah, ça balance. Alors, voilà. Après Pars vite et reviens tard, le nouveau film de José Garcia. Quelque chose est en marche et qui va bientôt émerger. 6-9 Movies présente. C'est vraiment drôle. Drôle pour être drôle. Stevie Boulet. Quand il n'y a pas d'apesanteur, ça donne un cancer des testicules. Stevie Boulet est le héros de. Et moi, quand je suis chez moi, je vous mets en situation, je mets mon CD puis j'ai. Pars vite et ne reviens pas. Le film qui soulage tout le monde. Ah, la nouvelle année, c'était quelque chose.